Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour PowerPoint. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux donner une forme particulière à une photo ou à une vidéo. Donc, pour ce faire, ici, j'ai une diapositive vide et je vais d'abord commencer par insérer une photo. Donc, je vais aller dans Insérer, Images, et je vais prendre par exemple une image. Voilà. Le chat ici. Donc je la réduis un peu. Voilà. Donc voilà le chat. Je vais rajouter une vidéo. Insérer. Vidéo sur mon PC. Et je vais prendre par exemple voilà, les vidéos que je fais pour mes formations. Donc je vais prendre par exemple une de Excel. Voilà. Alors je la réduis et je la mets à côté. Voilà. Donc de base, ben, j'irai la. Si la photo elle est rectangulaire, la vidéo rectangulaire, ça reste de cette forme-là. Moi, je souhaite leur donner une forme, genre forme de cœur, d'un soleil, d'un nuage, etc. Donc, je vais cliquer, on va commencer par la photo. Je clique dessus. À partir du moment où j'ai sélectionné ici, on voit ma photo. J'ai ici un nouveau menu qui est apparu, outils images mise en forme. Je clique dessus. Je vais aller chercher rogner. Je clique sur ici rogner et j'ai rogné à la forme et je choisis la forme que je souhaite. Voilà. Mettre la photo en forme de cœur. Ma vidéo, ben, elle est de forme rectangulaire. Pareil, à partir du moment où je l'ai sélectionnée, on voit ici les petits points tout autour. J'ai ici outils vidéo, format et lecture. Je vais dans format et dans format, j'ai ici dans le ruban forme de la vidéo. Je clique dessus et je vais choisir un format pour ma vidéo. Par exemple celui-là. Et voilà. Et je peux voir ma vidéo avec ce format ou mettre une photo avec une certaine forme. Bien sûr, je peux à nouveau les remodifier en retournant dans Outils Images, rogner à la forme et choisir une autre forme. Pareil, bien sûr, pour la vidéo, format de la vidéo et choisir une autre forme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur PowerPoint et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos formations sur le logiciel PowerPoint.